Comment tu te réveilles? Plein de volonté et de bonne humeur? Avec ton chien? Tu fais peur à ton copain? Ou t'arrives pas à ouvrir un œil avant le déjeuner? Découvre comment les routines matinales des filles et des mecs peuvent être différentes dans notre nouvelle vidéo. La matinée de ce couple amoureux ressemble plus à un champ de bataille. Pour commencer, tu dois gagner le combat sans fin pour la couverture. Ça s'arrête jamais! Ensuite, tu dois reprendre ton territoire sur le lit. Oh, on dirait que quelqu'un a perdu! Aouh, mon bras s'est endormi! Il faut que je le bouge un peu. Oh non, c'est encore pire! Les filles se réveillent toujours plus tôt pour se préparer. La salle de bain est toujours occupée. Et n'essaye même pas d'entrer. Les filles ont une tonne de choses à faire le matin. Tiens, prends ton rasoir et va te raser dans la cuisine. Si tu as les cheveux longs, ne t'endors jamais avec un élastique. Et voilà pourquoi. C'est super dur de l'enlever le matin. Allez, sors de là! S'il te plaît, laisse mes cheveux tranquilles! T'es coincée ou quoi? Cet élastique est tellement agaçant! Et ne laisse jamais ton petit copain te voir comme ça! Oh mon Dieu, un monstre! Mais non bébé, c'est moi, ta petite beauté du matin! Je suis vraiment désolée, tu t'es fait mal à cause de moi! C'est pas grave! La chose la plus importante, c'est qu'on s'aime et qu'on prend soin l'un de l'autre. Peu importe à quoi on ressemble! Les baisers du matin valent mieux que n'importe quel réveil. Berk, c'est mon chien, sors de là! En plus, je faisais un beau rêve! Pourquoi je dois me réveiller si tôt? Quand on a un chien, on doit aussi prendre soin de son hygiène. Pas seulement de la sienne. Tu t'es brossé les dents? Maintenant, brosse les dents de ton ami à quatre pattes. Mais n'utilise pas la même brosse à dents. Les propriétaires de chiens préparent toujours un petit déj pour deux. Ça, c'est pour moi, et ça, c'est pour mon chien. L'important, c'est de ne pas confondre quel est le tien et quel est celui de ton chien. Le chien mangerait volontiers les céréales de son maître. Merci, mais où est le lait? Mais la nourriture pour chien, c'est pas aussi bon. Il faut faire plus gaffe le matin. Au lieu de prendre un café, ceux qui ont des chiens se promènent dehors pour se ressourcer le matin. Il y a tellement d'obstacles! Cet exercice entraîne ma coordination œil-main. Mais commencer sa journée avec son chien, c'est une très jolie routine matinale. Voilà comment un lève-tôt se réveille. Chaque matin est amusant. Ouais, un nouveau jour! Je suis tellement heureuse! Et c'est comme ça que les oiseaux de nuit se réveillent. Oh non, cette lumière est bien trop forte! Que quelqu'un, s'il vous plaît, éteigne le soleil! Et laissez-moi dormir! Je suis allergique au matin! Allez, volons à la rencontre du soleil! Encore plus de lumière vive dans la maison! Seule une douche peut aider un oiseau de nuit à se réveiller. On parle d'une douche de café, 100% arabica! Le café, ça sent trop bon! Oh, c'est incroyable! Oh, mon corps est éveillé, mais mon cerveau est encore endormi! Se maquiller les lèvres parfaitement le matin, c'est un vrai défi! Je ressemble au Joker! J'imagine qu'il devait pas assez dormir non plus! Oups, j'ai encore débordé avec mon rouge à lèvres.
tous mes vêtements sont repassés. Et il est même pas encore 7h du mat. Ah, c'est tellement cool d'être un lève-tôt. Si t'es pas complètement réveillé, alors repasser ses vêtements, c'est une mauvaise idée. Je rêve que quelque chose brûle. Oups ! La noctambule a ruiné un autre t-shirt. Quel joli rêve ! Réveille ! Arrête de sonner ! Fais donc une sieste avec moi ! Oh, je rêve d'une magnifique cascade ! Elle est tellement humide ! Oh, je crois que c'est pas du tout une cascade ! Oups ! Ouais. J'aurais pas dû dormir aussi longtemps ! Apparemment, les filles dorment comme des princesses. Elles ne ronflent pas et ne bavent pas car elles sont prêtes à rencontrer leur prince charmant même dans leur sommeil. Mais ça, c'est vraiment pas moi. J'espère que personne ne me verra jamais dormir. Et le réveil sonne maintenant. Il est temps de se lever. Parce que j'ai tellement de choses à faire. Mais d'abord, j'ai besoin de 5 minutes pour regarder mes réseaux sociaux. Wouah, ça fait une heure! Va falloir que je me dépêche. J'ai pas envie de me brosser les dents le matin. Cette brosse à dents est tellement compliquée. Je préférerais plutôt mâcher juste du dentifrice. Hé, hey, beau gosse! Je me suis préparée super rapidement. Et ouais, je me brosse les dents comme Beyoncé. La question la plus importante. Qu'est-ce que je vais mettre? Beaucoup trop super-héroïne? Beaucoup trop gonflant? Trop vintage? Et ça, il manque plus qu'une guitare! Non, je crois que je vais garder mon style naturel. Alors, y a quoi pour le petit-déj? Oh non, reste plus rien! Et c'est quoi ça? Un morceau de pain rassis? J'ai trouvé un trésor! Avec un peu de chantilly dessus? Ça, c'est un petit-déj royal! Il mérite sans aucun doute 5 étoiles au guide Michelin. Au! Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Il faut que tu t'y prépares bien. Du bon porridge, des fruits, des fruits rouges. C'est tout un rituel, rien que de la nourriture équilibrée. Pas besoin de se dépêcher en cuisinant. Oh, et bien sûr, une photo pour Insta. C'est un must. Le monde doit savoir comment je mange sainement le matin. Il est temps de bénir ce monde de ma présence. Oh, ça mériterait bien un petit lavage. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Avec un peu de parfum, je sens direct beaucoup plus bon. Je suis le dieu des astuces. Je porte un jean stylé à trous. Donc, j'ai juste besoin de raser les endroits où ma peau est visible. Mes genoux et mes chevilles. C'est le soin beauté le plus rapide du monde. Le gamer n'a aucune notion du temps. Matin, jour et nuit. Le matin, ça correspond simplement au moment où on se réveille.
le gamer ne quitte jamais sa maison. Il se brosse les dents avec une manette dans les mains. Il prend le petit-déj avec une manette et va aux toilettes avec une manette. Mais pourquoi j'ai besoin d'aller si loin ? Le matin d'une nouvelle maman. Ça ressemble exactement à toute la nuit passée d'une nouvelle maman. Les bébés, c'est comme New York. Ils ne dorment jamais. Chut, on dirait que maman a réussi à s'endormir. Attends, et non, le bébé est à nouveau réveillé. J'ai trop hâte qu'il aille à la garderie. Et c'est quoi ça? Oh, je cherche ce plumeau depuis une semaine. Attends, le bébé pleure là-bas. Donc, c'est qui là? Oups! Tu as aimé nos sketchs du matin? Raconte-nous ta routine matinale dans tes commentaires. Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucun des nouveaux sketchs hilarants du quotidien de Troum Troum.